Bonjour et bienvenue sur LTV en direct du lycée professionnel Paul Langevin. Aujourd'hui, c'est une invitation à l'attention de toutes les 3L venant du bassin sud de la Réunion mais aussi de tout le pays à venir découvrir une formation qualifiante dans de nombreux domaines professionnels. Nous avons un problème avec Luciano. D'ailleurs, ce ne sera pas son seul problème. Luciano, m'entendez-vous ? Oui, Mélissa, au lycée Paul Langevin, premier lycée de Lille, faut-il le rappeler, les élèves préparent leur avenir professionnel dans de nombreux domaines, allant du CAP au bac pro. Fait tellement chaud, le mieux c'est de trouver quelqu'un qui sache installer un ventilateur, un électricien. Au LP Paul Langevin, nous disposons d'une spécialité peu représentée sur l'île et qui est cependant porteuse de débouchés professionnels qualitatifs. Informaticien, ingénieur son et image, installateur d'alarmes et de systèmes embarqués, il s'agit du bac pro SEN. Mais on peut aussi continuer ses études après le bac en IUT ou en BTS. S'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur du bois. Alors retrouvez Brian qui va nous expliquer tout ça. Deux CAP existent en bois. MF, c'est-à-dire menuisier fabricant, et CB, constructeur bois, qui conduisent tout naturellement aux différents métiers de la menuiserie et de l'agencement de magasins par exemple. Il existe aussi un bac pro, TMA, c'est-à-dire menuisier agenceur, qui peut aussi amener à une poursuite d'études en BTS ou en IUT. Avez-vous déjà mis les pieds dans une menuiserie aluminium? Alors vite, rejoignons Gabriel. Pour la section aluminium, il existe un CAP COB et un bac pro à VMS. Les débouchés professionnels sont nombreuses. Poseur, installateur dans une entreprise de menuiserie alu, chef d'équipe, responsable de la maintenance, travailler en bureau d'études ou tout simplement monter sa propre entreprise. Rejoignons tout de suite Christina qui va vous présenter sa filière. Deux domaines professionnels du tertiaire sont enseignés chez nous. La gestion administrative, secrétariat comptabilité, en bac pro GA. Et la vente pour laquelle nous avons trois CAP différents et un bac pro. La vente est le marché le plus porteur. Et donc, c'est là que l'on trouve le plus de possibilités d'emploi, même par temps de crise. Voilà ce qu'on pouvait dire, Mélissa, sur les filières de formation au lycée professionnel Paul Langevin. Après l'effort, le réconfort, permettez-moi, Mélissa, de vous emmener en cuisine. On va aller retrouver Charles qui va nous préparer un bon petit curry. On a fait un petit mélange boucanique saucisse. Après, on a coupé trois pommes, on a fait des dents. Bon, et donc tout ça, pensez cool. Déjà le gaillard ou déjà où on mange avec mes yeux. Ah bah et déjà et le dollar à la haut. Ah déjà il voit déjà qu'il a déjà pas mal voyagé aussi à travers la cuisine. Ça va? Hein, j'ai pas à faire n'importe qui non plus. Hein. Félicitations, il est vraiment très bon. Ah ben merci, ben ah. On est ensemble, tout le plaisir pour moi. Voilà. Bah si un joueur de team vient au lycée Paul Langevin, bah on aura l'occasion de goûter un bon petit cas à Richard. Merci. Bon, je vais être obligée de rendre l'antenne. Je vous invite à me retrouver ici même le 12 avril où vous pouvez découvrir notre lycée, sa maison des lycéens, son super cadre de vie, ses élèves, leurs profs. On vous attend. On attend les autres.